Au nom du Père qui, Papa Gisokelukelo, du Fils dit, Papa Delungana Kengani, et du Saint-Esprit dit sa divinité, Tata Kimbongu Kuntima Kengani, du Saint-Esprit, patron de la quatrième et dernière génération, Papa Fumolongo, le Père Céleste. Mes chers amis, dans le cadre de cet outil de communication que nous avons, nous approchons vers vous en ce matin de dimanche, troisième jour, jour J plus 3, du départ et du retour de Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. Il est né il y a 3 jours de cela, il est revenu il y a 3 jours de cela. Mes amis, nous sommes de la capitale de la Gaule, à Lyon. Voilà ici notre prison. Papa Freddy, le patron de GGK Lyon, il célèbre les 4 ans de GGK Lyon. Donc là, en tant que dans le cadre de cette fraternité, il à Paris, tu lui as à Lyon. Donc depuis Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, où hier, sa divinité à porter l'action concernant le cérémonie baptismal. Parce que vous remarquerez, en ce week-end dominical, concernant le kimbanguisme, il y aura beaucoup de cérémonies de réception des enfants, ceux qui viennent nouvellement à l'église, qui viennent nouvellement entrer au sein de l'Institut Tata Kimbangu, ou ceux qui étaient éventuellement en difficulté par rapport aux pratiques des commandements, c'est les Saintes Lamas. Et finalement, il y a aussi ce qu'on appelle les Sekoki, c'est-à-dire ceux-là qui ont compris que nulle part ailleurs, on a notre source de vie que Nkamba Nouvelle-Jérusalem, sinon que le kimbanguisme qui est notre véritable civilisation pour vivre à proprement dit en harmonie avec notre créateur qui est donc l'esprit de vérité Tata Kimbangu Kuntima Kangani. Et donc, il y aura aussi ce qu'on appelle les Sekoki. Donc, il y aura 3 événements au niveau des sessions spirituelles. La triple anniversaire, le double anniversaire donc de part du départ et du retour au Tata Simon Kimbangu. Les baptêmes, à proprement dit, ça c'est la chose que c'est un kamba, parce qu'un kamba, je donne une référence d'un kamba là. Le repère c'est un kamba. Donc, et puis le deuxième jour, donc hier c'était le cérémonie baptismal, et aujourd'hui il y aura ce qu'on appelle le Nilon Lekolo, donc la communion. Mais sinon, on n'a pas ça parce que les conditions sont pas encore réunies. Donc voilà pour l'instant le programme de ce jeudi, de ce Lumuke Sambu, de prière, d'intercession, où nous assistons la Sainte Trinité. Papa Kisokelukelo, Papa Dialungana, Papa Dianginamuntima, qui soit avec nous en phase, qui nous aide, qui nous donne la capacité d'action concernant son ministère ici-bas sur terre. Nous avons choisi de descendre pour les accompagner afin de mettre fin aux pratiques de ceux qui s'est autoproclamé comme étant l'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi, l'adversaire de Tata Kimbangu. Il s'appelle plusieurs qualificatifs. En Congo, on l'appelle Thébo, donc on l'appelle Satan, donc on l'appelle Shaitan, et ainsi de suite. Mais nous, on est des enfants de Tata Kimbangu, ses ambassadeurs. Donc on a la vie de Lyon. Mouta, moi, le banamou qui m'a dit bonjour, le banamou qui m'a dit bonjour, le banamou qui m'a dit bonjour, le banamou qui m'a dit bonjour. Oui, merci Mingi. Na kombo tata mwana pumoli mo santo. Mokola lelo za symbolique pour na biso bana ya Jijeki, ba sepelisi ya tata Nzambe na mboka ya Lyon. Il y a de cela le 4 ans, donc le 12 octobre 2014, biso to sangana ki pe to bimaki na miso bato na kombo ya Jijeki ya Lyon. Nde yango lelo to sepela ki ko sanga ba ndeko ndenge ba otimbo mboka Paris pour na ko célébrer mokolo ngwa lelo to za na sengo mingi. Donc nous avons tellement d'émotions que nous avons le bésaté. C'est un bésaté car que Moussala, pour ça, nous avons continué Moussala. Nous avons besoin d'une idée, de repérer sa biseau, de correction, de vidéo. Nous avons besoin d'une idée, n'hésitez pas à corriger le biseau. Nous avons besoin d'une pour Moussala, de passer mon moment avec le biseau. Vraiment, on est très heureux pour cette journée. Et nous allons voir comment ça va se passer. Mais ça a déjà bien démarré depuis le début de la semaine. Et hier, on était en répétition, ça s'est très bien passé. Et nous espérons que cette journée sera aussi agréable. Merci. Voilà, donc, Mouta se présenter, Papa Freddy. Yezalin Tuad ici, le président du groupe de guitaristes Kimbangu ici à la paroisse à Lyon, dans le Rhône. Voilà le cours d'eau du Rhône, hein, on est en train de traverser le Rhône là, vous voyez. On est sous le pont du Rhône là. Voilà, le Rhône qui est donc le cours d'eau qui traverse ce département, on appelle aussi le Rhône, n'est-ce pas? Donc, Papa Alexis Imeni, grand frère, bonjour, Mouta Adria, le politicien de Tata Kimbangu, bonne chose, bonjour à toi. Mouta Moutou, Bokial, Kobial, Waka, moi j'étais qui? On est en Bretagne, évidemment, on est sur la presse Europe TV. Merci, en tout cas, une fois de plus, journée Zamolaï, à Otzokene, programme de Banda Kalamingite, Oetikali, Tikaete, Tata Simon Kimbangu, Kangani.
tata mulimu santu asunga biso po ete oyaye ezala kati na biso oyaye biso te pamate nozali bato mais yazali mulimu mulimu wana ezala kati biso bato po to salene ngelo mwana. Voilà, c'était donc Dia Congo comment ça il demande Ndombe j'ai qui j'ai sa divinité tata Simon Kimbangu kangani mwanda vela waludi. À tout à l'heure pour le programme qui va suivre. À bientôt. La place Bellecour, n'est-ce pas? Place Bellecour, ouais. Donc ça c'est le grand centre d'accueil, comme tu dirais, hein, où beaucoup, c'est un repère de la ville de Lyon. Donc là nous longeons la rue le président Hériot, Edouard, donc de la ville de Lyon, pour votre le cadre tour d'un cadre pour dire informationnel. Hein. Nous devons avoir l'amour sincère, véritable. Ça, c'est pas moi qui dis ça, hein, l'oracle. Mes enfants, écoutez. Mes chers enfants. Vivez selon les 10 commandements, c'est-à-dire que les 6 coups, les textes de loi. Eh bien, Nkamba, n'oubliez pas de construire Nkamba. Car c'est notre centre de l'univers. C'est notre centre névralgique. Sans Nkamba, on n'est rien. Nous devons construire Nkamba. Écoutons, les enfants. Mes chers enfants, écoutez bien. Loua, bana loua, oh loua. Il est parti, il est revenu. Voilà. Papa Mouta, comment on regarde l'humanité, Papa Kisolokele, comment il est devenu, Papa Kisolokele? Oh, pitié, Papa Kisolokele, pitié, Papa Kisolokele. Nous mourons comme des petites bêtes. On est devenus comme des bêtes, nous mourons n'importe comment. Oh, Papa Kisolokele, écoute-nous, Papa, s'il te plaît, les enfants. Les enfants, écoutez. Ça, c'est la traduction, je vous transcris ce qu'il dit dans le cantique. Écoutez, mes enfants. Mes chers enfants, écoutez très bien ce que je vous dis. N'oubliez pas les soirées spirituelles que je vous ai laissées, mes chers enfants. Je vous ai donné le spectre sacré pour que puisse vaincre l'ennemi. Mes chers enfants, soyez fervents, ne vous affaiblissez pas, ayez l'amour sincère et véritable. Mes chers enfants, le 10 commandement, notre conscience humaine, le travail, construire les bonnes œuvres pour construire une Kamba. Voilà mes chers amis. Mes chers enfants, écoutez bien. Papa Dialungana, tes enfants, ce que tu as donné le sceau, le Mbo, ils pleurent.
Il se lamente. Oh, le Père-Esprit. Jusqu'à quand nous allons supporter ces difficultés? Jusqu'à quand? Oh, papa. Donc, la paroisse de Lyon se réunit chaque dimanche rue Lanterne, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, rue Lanterne. Donc, pour ceux qui sont ici à Lyon, vous nous suivez en live, ici dans le cadre de ce média de communication, donc le média kimonguiste, les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimonguisme ou des actions d'Atakimangu, donc média ki, vous nous suivez. Pour ceux qui sont à Lyon, venez donc rue Lanterne, il y aura un culte le dimanche, comme c'est le septième jour, le jour de repos. Il avait dit, je vous donne 6 jours. Faites ce que vous voulez, mais le 7e, vous me le consacrerez. Donc, voilà, nous sommes ici à la paroisse de Lyon. Lyon, Lyon, la ville de la Gaule. Bonjour, très bon dimanche à vous. Finalement, bien pour mon Bonjour. Babungi nzela Banti kongiya kato sangana Tolanda tata kimbangwe Donc nous sommes de rue Lanterne dans le... après la réunion ici. Alors c'est le rue de Lanterne hein.
Donc mes amis, on est dans le premier renseignement, t'es la maman Labisson. D'accord, ok. Allez-y. Bonjour. Voilà, donc c'est ici que se tient le culte kimongiste dans le cadre de cette entente avec nos, la coopération, donc le COE, hein, le culte du conseil des églises. Vous savez que l'église kimongiste a été acceptée au sein du COE depuis le 16 août 1969. Donc c'est pas par un hasard, hein, 69, que l'église kimongiste au congrès de Canterbury, que l'église kimongiste a été acceptée au sein du conseil des églises. Donc 69, on est département de 69, comme par hasard, voyez-vous. Et c'est ici que donc nos amis, nos papas et mamans de la paroisse de Lyon se réunissent après le culte de nos amis réformés, hein, l'église protestante réformée de Lyon Terreau. Voilà, je vous montre. C'est ici qu'ils se réunissent. Voilà. Hein. Le culte tient à partir de midi, au midi 30, si je me semble, ouais. Donc, membre de l'Église protestante Unie de France, communion luthérienne et réformée. Voilà. Ici. En attendant que nous ayons nos propres locaux, c'est ici que nous nous réunissons dans le cadre de cette bonne nouvelle, le message de la paix. Parce que cette année, qui est l'année spéciale, l'année du centenaire du papa Konti Madiengenda, qui est donc l'incarnation d'Ata Kimbangu, premier, lui c'est Kimbangu deuxième. Et là, avant-hier, le 12, nous allons célébrer le Kimbangu troisième. Parce que le Kimbangu troisième, donc Tata Simon Kimbangu Kiamani, l'actuel chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme, il est né le 12 octobre 1951. Pendant que son grand-père se transfigurait, lui, il naissait. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Donc, je vous ai fait état dans la semaine dernière, depuis, je crois comme je me souviens, chaque matin ou chaque soir, ou chaque midi, dans le cadre du média kimbanguiste. Donc il y a le petit déjeuner matinal, il y a le déjeuner du midi, et le dîner du soir, qu'on peut pas seulement du moment où on le permet. Donc voilà un peu, aujourd'hui, donc, on est dimanche, nous trouvons notre paroisse kimongiste de Lyon. Et vous savez qu'on a une complicité entre les Lyonnais et nous, les Jijiki, parce qu'en 2012, quand on s'est monté à Nkamba, pendant nos 5 mois de Nkamba, papa Simon Kimbangu avait demandé aux paroissiens de Lyon de venir construire Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Chaque mouvement monte à Nkamba avec date donnée. Et ben, depuis cette date-là, et ben, on est associé, nous, l'équipe de Basile-Grand-Zambé et la paroisse de Lyon. Et ici, la paroisse, comme on dit tout à l'heure, mon tatin 3 d'ici, de la groupe de guitaristes qui m'ont mis ici à Lyon, on l'a fait dit, c'était bien en 2000. Il y a 4 ans, nous sommes venus ici, effectivement, pour nous soutenir pour pas qu'ils soient télé, pour sortir officiellement le groupe de guitaristes qui m'ont mis la paroisse de Lyon. Donc aujourd'hui, ils ont célébré leur 4e année. Donc c'est ce sens-là que nous venons dans cette coopération fraternelle. Qui une toi dit, c'est le régiment que tu sais là où tu es. Allez, tu en es comme parti, toi là. Et je vous souvenais que la dernière fois, je vous ai fait état de ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Pourquoi papa Simon Kimbangu décide de partir à Lubumbashi et décide de revenir ici, en Kamba. Parce que je vous dis ici parce que pour moi, mon esprit habite en Kamba. D'accord ? Et donc, pourquoi en Kamba ? Et bien, vous savez que. Et là, j'ai dans l'article, je crois que je vais diffuser cela, de mon collègue disciple au sein de Rabbi Mbangu concernant bonne nouvelle, papa Saturnin Ngoma qui a rédigé un texte
c'est en rapport avec le livre qu'il est en train de rédiger, qui va sortir, on espère, en 2000, l'année prochaine, qui relate le mystère de cette incarnation. Pourquoi Papa Simon Kimbangu se transfigure et il renaît en Kamba. Mes amis, si vous le voulez bien, je vais pouvoir vous conduire tel que mon collègue Papa Satunengo Manuzi a fait état de ce mystère de l'incarnation. Il est dit quoi? Et là, je vais essayer de lire, si Papa Simon Kimbangu, j'espère, me permet pour le lire fidèlement tel qu'il a écrit. Et de ce fait, vous m'excuserez, je vais mettre la pause, le son qui enfonce le nom. Voilà. Ici, excusez-moi monsieur, alors mes amis, ici il est question de faire état du mystère de l'incarnation. Et c'est le texte donc de mon collègue du média, Tata Saturnin Bomobandouzi. C'est un jumeau, moi dans l'ombre Kenina. La transfiguration de Tata Kimbangu, en Tata Kimbangu Kiangani, le 12 octobre 1951. Permettez-moi un instant.